Mon autoradio. Zapping. If you're driving in snow, think. When we start our shift and get in our trucks, some of the first things we think about is getting out on that road as soon as we can to provide the public a safe roadway. Our families travel down these roads too. For your safety, the Michigan Department of Transportation and its partners make sure roadways are free of snow and ice. Here are some simple tips to remember to help plow drivers do their job safely. Turn your headlights on so you'll be more visible to snowplow drivers and other motorists. Slow down for conditions. Michigan's basic speed law requires motorists to drive at a safe speed, which may be slower than the posted speed limit. Stay at least 4 to 5 car lengths behind snowplows. Snowplow drivers have only side mirrors to see what's behind them. If you're too close, they can't see you. Snowplows sometimes have dangerous snow clouds trailing them. If you are driving too close and are caught in a snow cloud, your visibility is greatly reduced. On two-lane roads, many snowplow drivers will pull over periodically to let vehicles pass. Be patient and only pass when it is safe. On the freeway, never cut between snowplows clearing the road for you. Wait until it is safe to pass, or don't pass at all. Remember, snowplows need room to groom. Slow down, turn your headlights on, and give us a little room to do our work, please. Les bons réflexes autoroute. Le départ au sport d'hiver. Partir au ski, c'est se préparer à retrouver les joies de la neige et de la glace. Mais on peut aussi les rencontrer en chemin. Pour être prêt, commencez par vérifier le bon arrimage des skis et des surfs. Fixez-les solidement avec un système adapté, car ils ont une forte prise au vent. Mettez aussi des chaînes dans le coffre, vous pourrez en avoir besoin en sortant de l'autoroute. Par contre, sur l'autoroute, pas de chaînes. Avant de partir, vérifiez les conditions météo sur autoroute.fr. Reportez si possible votre voyage si du verglas ou de fortes chutes de neige sont annoncées. En chemin, écoutez la météo sur 107.7. Par temps de neige, allumez les feux de croisement et les feux de brouillard. Réduisez votre vitesse et si vous êtes derrière un véhicule de déneigement, ne le dépassez pas. Gardez un écart de sécurité avec le véhicule qui vous précède. Et roulez en convoi pour aider au bon déneigement. Alors concrètement, pourquoi c'est si important? Tout simplement parce que suivre ces conseils, c'est préserver sa sécurité et celle des autres automobilistes et arriver à bon port pour retrouver la neige, bien sûr. Et voilà, ensemble, adoptons les bons réflexes pour une autoroute encore plus sûre. Suivez l'ActuRoute et Sécurité Routière. Des sons, des conseils, des vidéos, des alertes Twitter. Monautoradio.com. Version compatible web mobile et tablette.